Hong Kong traitait environ 350 000 passagers entre aujourd'hui et fin janvier. Donc nous mettons en place, comme d'habitude, ce dispositif pour que le trafic soit fluidifié et le traitement des passagers également. Donc n'accéderont sur certaines matinées de forte affluence que les passagers en zone d'enregistrement et également au niveau des formalités police et sûreté. Il y aura un filtrage dès l'arrivée sur l'aérogare et seuls les passagers munis de billets pourront y accéder, mais également ceux qui accompagnent des enfants voyageant seuls ou alors des personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est assez rodé. Les accompagnants sont en zone publique. Ils peuvent retrouver les passagers avant qu'ils ne partent ensuite vers les formalités, comme je disais, transfrontières et sûretés.